Ce n'est pas possible. Écoutez, moi, c'est ce que je peux. Il y a un os. Comment ça, un os? Oui, ce n'est pas à Villefranche qui s'arrête votre train. Pas à Villefranche? Et depuis quand? Depuis toujours. Depuis toujours? Oui. R, Revel, Rocamadour, Rochefort. Le train est déjà parti. Affirmatif, pas pour madame. Il est parti il y a 2 minutes. Qui est numéro 4, voie numéro 2. Alors là, bravo. Vous m'avez fait rater mon train, espèce d'empoté. Mais enfin, madame. Croyez-moi, mon cher monsieur, question bêtise, vous en avez un sacré paquet. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Je sifflais et lâchais mon panache blanc. Le spécialiste du cartonnage. En 1947, tu passais une annonce dans le journal. Ne gaspillez pas vos papiers. Ramenez-les au cartonnage J et L Roset à Saint-Julien en Genevois, qui vous les paiera un bon prix. Utilisez la pièce auto-vulcain pour réparer vos chambres à air. Avec elle, rien ne s'échappe. Il faut absolument que nous intensifions nos actions là-bas. Puissions maintenant tous les convertir à notre très belle religion catholique. Et qu'ils cessent donc tous ces rites païens. Mais dites-moi, comment financez-vous toutes ces expéditions et ces conversions? Il en faut de l'argent. Mais l'argent, nous le trouvons, il y en a partout, plein. Regardez un peu comment ça construit dans tous les bords, dans tous les sens. Non, ma sœur, nous récoltons l'argent là où il est. Et en particulier, nous organisons ces journées de mission. Moi, j'ai besoin de retrouver du sens à ma vie un petit peu. Je me sens aspirée par la source ici. Aspirée, je me retrouve dans l'eau. Oh. Le long de mes berges, mes frères, les arbres vivent moins longtemps. Ce n'est sans compter sur mon ami Soleil qui dévore tout sur son passage. J'ai besoin que tu dises à tes semblables qu'ils cessent, parce que bientôt c'est eux qui ne pourront plus donner la vie. Sentez-vous qu'avec assez bon vent ou que mon ordonnance il était ainsi? Excusez-moi, mais c'est-à-dire que. Taisez-vous! Je vous demande, ils avouent qu'avec un seul banc. Mais, c'est-à-dire. C'est la vétusté. La vétusté. C'était qui la vétusté? C'était votre fille ou c'était votre femme? Mais, non, c'est-à-dire. Mon commandant. Le banc. Enfin, c'est-à-dire mon commandant, il était vermoulu. Comment? Vermoulu! Moi! Oh! Un crétin! Un crétin! La tour de Peuple était ici. Et tout en haut de la tour, il y avait une petite comtesse. Jacquette. Un peu câline, un peu coquine, un peu coquette. Elle s'est morfondée d'attendre son chevalier. Tous les soirs, elle a monté tout en haut, en haut, en haut. Mais elle ne voyait rien arriver. Elle ne voyait que le chemin qui poudroie et le soleil qui rougeoie. Le comte Girard de Ternier, son père, décida de la marier.
il organisa une cour d'amour. La coquette Jacquette rêvait à son âme. Et ils girent beaucoup. Olé, il y a quelqu'un? La femme tiraille. Vous auriez bien qu'un petit quelque chose à me donner. Oh, ma brave, si j'avais quelque chose à donner, je le ferais volontiers. Mais voilà, moi aussi je suis pauvre. Je suis pauvre comme un rat d'église. À moi, je suis plus riche que toi. Et je suis capable de te faire une soupe au caillou. Mais il me faut de l'eau aussi, brave dame. Comment veux-tu que je fasse ma soupe? Dis-moi, femme, que tu aurais un peu de sang et d'eau. Ça ne serait que meilleur. Oui, j'en ai. Je vais en chercher. Oh, très bien, très bien. Je sens l'odeur qui me chatouille les narines. Ah, oui. D'ailleurs, je vais déjà prendre un message. Bien sûr.